The will of God. La volonté de Dieu. The prime will of God. La volonté principale de Dieu. For your life. Pour votre vie. And for my life. Et pour ma vie. Is to be a soul winner. C'est d'être gagneur d'âme. This must enter into your spirit et today. À partir d'aujourd'hui, ça doit entrer dans votre esprit. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Because the devil has captured a number of people. Parce que le diable a capturé un nombre de personnes. He has confused their mind. Il a confus leurs pensées. The Bible says, la Bible dit that is the God of this world, qu'il est le Dieu de ce monde, who has blinded the eyes, qui a aveuglé la vue, so that the people of this world will not receive the glorious gospel, pour que les gens de ce monde ne puissent pas recevoir l'évangile glorieux, that they may be lost, pour qu'ils soient perdus, that they may go to hell, pour qu'ils puissent aller en enfer. But it is our mission, mais c'est notre mission, to save this soul, pour sauver ces âmes. That is the reason why we are here. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. That is why there's a warfare. C'est la raison pour laquelle il y a une bataille. So the devil doesn't want us to save souls. Et donc le diable ne veut pas que nous puissions sauver des âmes. He wants to get so many people lost. Il veut perdre beaucoup de personnes. So he has to fight us. Et donc il doit nous combattre. Because we are bringing the gospel to the untold. Parce que nous allons amener l'évangile à ceux qui sont perdus. And we are opening their eyes. Et nous allons leur ouvrir la vue. And we are bringing them into the kingdom. Et ensuite nous allons les ramener dans le royaume. And he's losing members. Et en faisant cela, et lui, il sera en train de perdre des membres. So what will he do? Et donc qu'est-ce qu'il fera? He will fight back. Il va combattre en retour. Hallelujah. At your free time. Dans votre temps libre, talk about Jesus. Parlez de Jésus. In your workplace, dans votre lieu de travail, talk about Jesus. Parlez de Jésus. Even if you have a business, même si vous avez une affaire and you are employing people, et que vous employez des gens, talk to them about Jesus. Parlez-leur de Jésus. When you speak to them about Jesus, quand vous leur parlez de Jésus, your enterprise will go forward. Votre entreprise avancera. When their lives change, lorsque leur vie changera, they will not think about bringing your enterprise down. Ils ne vont plus penser à faire écrouler votre entreprise. If they want to steal, si c'était lui-là qui volait, si c'était ceux-là qui volaient, ils vont changer. They will change. Ils changeront. They will know that they must move the enterprise forward. Ils sauront qu'ils doivent faire avancer l'entreprise. Because as the business goes forward, parce que aussi longtemps que l'entreprise avancera, they must also be blessed. Eux aussi seront bénis. And it's only when they have Jesus, et c'est seulement lorsqu'ils ont Jésus, that they will behave like this, qu'ils se comporteront de cette manière. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So it says, be witness in Jerusalem. Donc il a dit, soyez mes témoins à Jérusalem. In your workplace, dans votre lieu de travail. When you are in a bus, lorsque vous êtes dans le bus. When you are in the plane, lorsque vous êtes dans l'avion. When you visit people, lorsque vous rendez visite aux when gens. You are with your friends, lorsque vous êtes avec vos amis. When we are with your external family, même lorsque vous êtes avec votre famille élargie. Talk to them about Jesus. Parlez-leur de Jésus. You are a minister of reconciliation. Parce que vous êtes un ministre de réconciliation. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. And from Jerusalem to Judea, et depuis Jérusalem, dans toute la Judée, les autres endroits d'Adjamé. Adjamé must be won for Christ. Voyez-vous, Adjamé doit être gagné pour Christ. Dis amen. 2016. We have to win Adjamé for Christ. Nous devons gagner Adjamé pour Christ. I didn't hear the amen. J'ai pas entendu amen. It is our Jerusalem. C'est notre Jérusalem. There are many souls dying out there. Il y a plusieurs âmes qui sont en train de mourir dehors. We must bring them to Christ. Vous devez les emmener à Christ. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We must go out there. Vous devez aller dehors. And witness. Pour témoigner. And bring them to Christ. Pour les emmener à Christ. So all the families. Et donc toutes les familles. You have to be ready. Vous devez être prête. You are talented. Vous êtes mis au défi. You are talented. Vous êtes talentueux. God has put so many gifts in you. Dieu a placé plusieurs dons en vous. We shall not come and sit in the church. Nous ne devons pas venir nous asseoir à l'église comme ceci. We are all going to be participating. Nous allons tous participer.
Our talents will come out. Nos talents sortiront. Dites amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. There are so many evangelists amongst us. Il y a plusieurs, beaucoup d'évangélistes parmi nous. We are going to win souls. Et nous allons gagner des âmes. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You see, Jesus made an extraordinary statement. Voyez-vous, Jésus a déclaré une phrase extraordinaire. When he was praying, lorsqu'il priait, the prayer of Jesus, la prière de Jésus, is in John 17. Se trouve dans Jean 16. That is the prayer. Voici la prière that Jesus made que Jésus a accomplie before he went to the cross. Avant d'aller sur la croix. And in John 17, et dans Jean 17, verse 18, le verset 18. He made an extraordinary statement there. Il a déclaré une phrase extraordinaire. Un, deux, trois. Jesus is talking to the Father. Jésus parlait au Père. And he says, et il disait, as you send him, comme tu m'as envoyé, I also send you into the world. Moi aussi, je les envoie dans le monde. So, Jesus came because God sent him. Et donc, Jésus est venu parce que Dieu l'a envoyé. And God sent him for a purpose. Et Dieu l'a envoyé pour un but. And before he left, et avant de partir, he said, Father, il a dit, Père, as you sent me, comme tu m'as envoyé, so send I, moi aussi, them to the world. Je les envoie dans le monde. So we have been sent. Et donc nous avons été envoyés by Jesus par Jésus into this world. Dans ce monde. We are in this world. Nous sommes dans ce monde. We are not part of the world. Mais nous ne faisons pas partie so du monde. He has sent us into this world. Et donc il nous a envoyés dans ce monde for a purpose. Pour un but. So the question is, et donc la question est la suivante. How did God send him to the world? Pourquoi Dieu l'a envoyé? Comment Dieu l'a envoyé dans le monde? Because he says, as God sent me to the world, parce qu'il a dit, so have I sent them. Parce qu'il a dit, comme Dieu m'a envoyé dans le monde, aussi je les ai envoyés. So he is sending us into the world the same way that God sent him. Donc il nous envoie dans le monde de la même manière que Dieu l'a envoyé. So we must find out. Donc nous devons découvrir how God sent him. Comment est-ce que Dieu l'a envoyé? What did God ask him to do? Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire? How did God ask him to do it? Et comment est-ce que Dieu lui a demandé de faire? And we have to do the same thing. Et pour que nous puissions faire la même chose. Praise the Lord. Gloire à Dieu. He said, Father, il dit, Père, the hour has come, l'heure est venue, for me to come to you, pour moi de venir vers toi. And in verse 16, et au verset 16, he said, il dit, as they are not of this world, comme ils ne font pas partie de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. Ils ne sont pas de ce monde comme je ne suis pas du monde. Hallelujah. He said, Father, il dit, Père, they are not of this world, ils ne sont pas du monde. As I am not of this world. Comme je ne suis pas non plus de ce monde. And in verse 18, et au verset 18, he said, as you sent me, il dit, comme tu m'as envoyé, so sent I them. Je les ai aussi envoyés dans le monde. And he said, the glory that you gave to me, et il dit, la gloire que tu m'as donnée, giving that glory to them. Je leur ai donné cette gloire. You have already the glory of God. Vous avez déjà la gloire de Dieu sur vous. Jesus gave it to us before he went. Jésus nous a donné cette gloire avant de partir. He said, the glory that you gave il dit, la gloire que tu m'as donnée, I have given to them. Je leur ai donné. I say you have the glory of God. Je dis, vous avez la gloire de Dieu dans votre vie. You are not looking for the glory of God. Vous ne devez pas chercher la gloire de Dieu. Jesus has already given the glory of God. Jésus vous a déjà donné la gloire de Dieu. Everywhere you go, partout où vous irez, you will shine. Vous brillerez. You will shine. Vous brillerez. You will shine. Vous brillerez. You will succeed. Vous brillerez et vous réussirez. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So how did God send Jesus? Et donc comment est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Even when he was a child, même lorsqu'il était enfant, at the age of 12, à l'âge de 12 ans, Jesus was 12 years old. Jésus avait 12 ans. And his parents took him to Jerusalem for the Passover feast. Et ses parents l'ont emmené à Jérusalem pour la fête de Pâques.
When they went to Jerusalem, lorsqu'ils sont allés à Jérusalem, everybody had a purpose for which he went to Jerusalem. Tout le monde avait un but pour lequel il partait à Jérusalem. Everybody has a reason for which he comes to church. Tout le monde a une raison pour laquelle elle vient à l'église. Some went there to dance. Quelqu'un peut venir pour danser. Some went to Jerusalem to dance. D'autres sont allés à Jérusalem pour danser. Others went to drink and eat. D'autres sont allés pour boire et manger. But Jesus, mais Jésus, at the age of 12, à l'âge de 12 ans, had a purpose. Avait un but. The Father had sent him. Le Père l'avait envoyé for a purpose. Pour un but. So when he went there, et donc, lorsqu'il est allé with his parents, avec ses parents, after the festival, après la fête, he took advantage. Il a pris avantage. He said, "This is the opportunity for me." Voici une opportunité pour moi. I've been sent for a purpose. J'ai été envoyé pour un but. To win souls. Pour gagner des âmes. To redeem the whole world. Pour racheter le monde entier. And our hour has come. Et l'heure est venue. And to be able to redeem the world. Et pour être capable de gagner le but. To be able to achieve the purpose. Pour être capable d'accomplir le but. I must understand. Je dois comprendre. Why I have come. Pourquoi est-ce que je suis venu? Praise the Lord. Gloire à Dieu. So he went into the temple. Et donc il est allé dans le temple. And he was seated in the middle of the doctors. Il était assis au milieu des docteurs. And he was listening to them. Les écoutant. And he was asking questions. Et les interrogeant. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Jesus knew. Jésus savait. That for him to succeed. Que pour qu'il puisse réussir in the mission that God gave to him, dans la mission que Dieu lui avait donnée, he needed knowledge. Il avait besoin de connaissances. Praise the Lord. To be an effective soul winner, pour être un gagnant d'âme efficace, you must have knowledge of the word of God. Vous devez avoir la connaissance de la parole de Dieu. If you go and knock somebody's door, si vous partez taper la porte de quelqu'un, and you want to convince that person, et que vous voulez convaincre cette personne, to give his life to Jesus, pour qu'elle donne sa vie à Jésus, and then as you are discussing with him, et pendant que vous serez en train de discuter, he asks you a question. Si la personne vous pose une question, when Jesus was being crucified, est-ce que Jésus a été crucifié? When Jesus was being crucified, quand Jésus a été crucifié, how many soldiers were left? In front of the tomb. Il restait combien de soldats devant la tombe? And you cannot answer. Et que vous ne pouvez pas répondre. How can you win that person? Comment est-ce que vous allez gagner cette personne? Qui a donné le tombeau dans lequel Jésus était esservelé? Et tu te dis, attends, je vais aller demander mon pasteur d'abord. Comment tu peux gagner cette personne? Hein? Comment tu peux gagner la personne? Si tu ne fais pas attention, c'est lui qui va te gagner dans le monde. So Jesus, et donc Jésus went to be educated. Est allé se faire éduquer. Where? Où? In the temple. Dans le temple. Why do you come to church? Pourquoi est-ce que vous venez à l'église? To be educated. Pour être éduqué. To have knowledge. Pour avoir la connaissance. So that you go and do the work for pour que vous puissiez retourner aller faire l'œuvre pour laquelle vous êtes venu sur terre. Praise the Lord. That's why you must be active in your families. C'est la raison pour laquelle vous devez être actif dans vos familles respectives. That's why you must be active in the church. C'est la raison pour laquelle vous devez être actif dans l'église. That's why you must take notes. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre des notes. The pillar of truth, the Bible says. La Bible dit que l'église est la colonne de vérité. That is where you are taught. C'est à cet endroit où vous êtes enseigné. In Ephesians 4. Dans Ephésiens 4. The Bible tells us. La Bible nous dit that Jesus gave some pastors, que Jésus a donné, apostles, Jésus prophets, a donné certains pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes, apôtres, teachers, des enseignants, for the edification of the church, pour le perfectionnement de l'église, for the work of the ministry, et pour l'œuvre du ministère. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. So Jesus went to learn. Et donc Jésus est parti, est parti apprendre, même à 12 ans, because he knew he has to start his work somewhere. Parce qu'il savait qu'il devait commencer son travail quelque part. To be an effective soul winner, et donc pour être un gagnant d'âme efficace, you must be somebody who must learn. Vous devez être quelqu'un qui doit apprendre. Praise the Lord. You must be active in church. Vous devez être actif à l'église. You must learn. Vous devez apprendre.
When you go back from church, quand vous retournez de l'église, you must study the word of God. Vous devez étudier la parole de Dieu. What you write, ce que vous avez écrit, you must go and study it again. Vous devez aller réviser, étudier encore. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Amen. So Jesus was aware. Et donc Jésus était au courant. So he prepared himself. Et donc il s'est préparé. And let's go back to Luke 47. Retournons dans Luc 47. 47. 1, 2, 3. J'étais frappé par et par. Si tu n'as pas étudié, tu ne veux pas répondre correctement, c'est vrai? Un, deux, trois. Nous te cherchons avec angoisse. 49, en haute voix. Ne savez pas vous quoi? Comment? 1, 2, 3. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Occuper des affaires de son père. This is why Jesus came. C'est pourquoi Jésus est venu. To take care of his father's business. Pour s'occuper des affaires de son père. His father sent him here to take care of his business. Son père l'a envoyé ici pour qu'il s'occupe de ses affaires. And at 12 years. Et à 12 ans. His parents. Ses parents. Earthly parents. Ses parents terrestres. Didn't know the business for which he came. Ne savait pas les affaires. The reason. Ne savait pas la raison pour laquelle il était venu. The reason why the father sent him. La raison pour laquelle le père l'a envoyé. To take care of his business. C'était pour s'occuper des affaires du père. So God sent him here to take care of his business. Et donc Dieu l'a envoyé ici pour qu'il puisse s'occuper des affaires du père. And Jesus says. Et Jésus a dit. Father. Père. As you sent me. Comme tu m'as envoyé. So send I thee. So Jesus. Et donc Jésus. Has sent us here. Nous a envoyé ici. To do what? Pour faire quoi? To do what? Pour faire quoi? Nous sommes ici pour s'occuper des affaires de notre père. Il faut noter ça. That is the reason why Jesus left you here. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a laissé ici. He didn't leave you here to dance. Il nous a pas laissé ici pour danser. Even though it is good. Même si c'est bien to praise him, de le louer, to worship him, de l'adorer. But the principal business, mais l'objectif principal is to win souls. C'est de gagner des âmes. That's why I left you here. C'est pourquoi il nous a laissé ici. So he told his parents, et donc il a dit à ses parents, I'm surprised. Je suis étonné. I didn't come here to joke. Je ne suis pas venu ici pour plaisanter. I didn't come to dance. Je ne suis pas venu pour danser. I didn't come to eat only. Je ne suis pas venu pour manger seulement. But I came, mais je suis venu from heaven, des cieux, to take care of the business of my father, pour m'occuper des affaires de mon père. That's why he came. C'est pourquoi il est venu. And he took care of the business. Et il a pris soin des affaires. God didn't send his son here to be a doctor. Dieu n'a pas envoyé son fils ici pour qu'il soit docteur. Or an engineer. Ou pour être un ingénieur. Even though it is good. Même si c'est bien. He sent him here. Dieu l'a envoyé ici. To be a soul winner. Pour qu'il soit un gagneur d'âmes. To win souls. Pour gagner des âmes. And after that. Et après cela. God rewarded him. Dieu l'a récompensé. I've come to announce to you. Je suis venu vous annoncer.
If you engage in the work for which God sent you here, si vous vous engagez réellement dans l'œuvre pour laquelle Dieu vous a emmené ici, you will be rewarded. Vous serez récompensé. I say you will be rewarded. Je dis vous serez récompensé. Peter said, Pierre a dit, Jesus, Jésus, we have left everything to follow you. Nous avons tout abandonné, tout quitté pour te suivre. What do we gain? Que gagnerons-nous? Follow me quick. Suive-moi rapidement. What do we gain? Pourquoi est-ce que gagnerons-nous? And Jesus said, et Jésus a dit, no one leaves. Personne n'abandonne his house, sa maison, his wife, sa femme, husband, son mari, his parents, ses parents, father and mother, père et mère, his sisters and brothers, soeurs et frères, his children, ses enfants, his lands, sa terre, all that he has, tout ce qu'il a, to follow me, pour me suivre, and that shall receive a reward, et ne reçoit pas sa récompense. He says, in this earth, il dit même sur terre, you will receive a hundredfold, vous recevrez au centuple, of everything that you left to follow de tout me, ce que vous avez abandonné pour me suivre, everything that you use to support the work of the kingdom, tout ce que vous avez utilisé pour soutenir l'œuvre du ministère, you receive hundredfold here, vous recevrez le centuple ici. This morning, ce matin, I didn't come to excite you, je ne suis pas venu pour vous exciter, but I came to reveal certain things, mais je suis venu pour vous révéler certaines because choses. 2016, parce que 2016, God is going to bless you in an extraordinary way. Dieu est sur le point de vous bénir d'une manière extraordinaire. Your businesses will grow beyond your imagination. Vos entreprises grandiront au-delà de vos imaginations. Those who are looking for wives, husbands, you receive God-fearing partners. Vous qui recherchez un époux ou une épouse, vous recevrez quelqu'un qui aura la crainte de Dieu. Those who are looking for children, vous qui recherchez des enfants, you not just receive children, vous n'allez pas juste recevoir un enfant, but you receive children of destiny. Mais vous recevrez des enfants de destinée. So you must be prepared. Et donc vous devez être préparé. If only you do your father's business, si seulement vous faites les affaires de votre père, you receive your reward. Vous recevrez votre récompense. So Jesus made us aware. Jésus nous a informé how the attitude that we must take. De l'attitude que nous devons prendre. That's the mission that God has given to us. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Jesus said, Jésus dit, as the Father sent me, comme le Père m'a envoyé, so send I you. De cette même manière, je vous envoie. So you and I, et donc vous et moi, we have to do the will of he who sent us. Nous devons faire la volonté de celui qui nous a emmenés. And to finish it. Et nous devons l'accomplir. We have to finish it. Nous devons l'accomplir. What is the will? Quelle est cette volonté? So winning. C'est le fait de gagner Jesus des âmes. Jésus was sitting at the well. Était assis sur le puits de Jacob. When the others were looking for food to eat, tandis que les autres cherchaient la nourriture pour manger, he was thinking, lui il pensait, of how to win the whole of Samaria. Il pensait à comment gagner toute la Samarie. So whilst they were thinking of food, et donc tandis que les autres pensaient à la nourriture, Jesus was thinking about strategy. Jésus pensait à la stratégie. And by the Spirit, et par l'Esprit, he received the strategy. Il a reçu la stratégie. That if he can only win that woman, si seulement il pouvait gagner cette femme, he can win the whole. Il pouvait gagner toute la Samarie. So he was sitting there at the well. Et donc il était assis au puits. At 12 o'clock, à midi, this woman came. Cette femme est venue. Because this woman, parce que cette femme, has already had five husbands. Avait déjà cinq maris. It was a reproach. C'était un reproche. Everybody, tous les matins, everybody talked about her. Tout le monde pensait à elle. Because there are so many husbands. Parce qu'elle avait beaucoup de maris. He has control over men. Elle contrôlait les hommes. And he came at the well at 12 o'clock. Elle est venue au puits à 12 heures. Met Jesus. Pour rencontrer Jésus. And Jesus engaged in a conversation. Et Jésus a engagé une conversation. Jesus is a master soul winner. Jésus est le maître gagneur d'âme. When the woman came, lorsque la femme est venue, she said, elle a dit, give me water to drink. Jésus a dit, donne-moi un peu d'eau à boire. And he said, how can you, a Jew, elle a dit, comment est-ce que a Samaritan, comment est-ce que moi, en tant que Samaritaine,
How can you, a Jew, ask a Samaritan water to drink? Comment est-ce que tu peux te permettre de demander à un Samaritain de te donner de l'eau à boire? Jesus said. Et Jésus a dit. If you know. Si tu savais. He who is asking you water to drink. Celui-là même qui te demande de l'eau à boire. You will give to him. Tu allais lui donner. Because I can give you water. Parce que je peux te donner de l'eau. But when you drink. Que lorsque après avoir bu. You never thirst again. Tu n'auras plus jamais soif encore. And then Jesus et Jésus began to enter a commencé à entrer into the prophetic. Dans les prophéties. Or Jesus is a prophet. Parce que Jésus est aussi prophète. So he began to enter into the prophetic. Et donc il a commencé à entrer dans le prophétique. He began to tell him of her past. Et il a commencé à lui dire son passé and his present. Et son présent. And this woman ran away and said, et cette femme a fui, elle a come couru. And see, elle a dit, venez voir the man, celui-là who told me everything about qui, m'a, qui a tout dit concernant ma vie. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So the whole city came. Et donc toute la ville est venue. To listen to Jesus. Pour écouter Jésus. And after that, the Bible says. Et après cela, la Bible dit. The whole of Samaria. Toute la Samarie. Gave their life to Jesus. A donné sa vie à Jésus. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Because he came to do his. You can give them. Vous pouvez acclamer, acclamer Jésus. So. Spend most of the time listening to the word of God. Et donc passez la plupart de votre temps à écouter la parole de Dieu. Study. À étudier. Study the Bible. Étudier la Bible. Know about what is going on in the world. Le fait de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Study. Étudier. Have knowledge. Ayez la connaissance. Apply them. Appliquez les connaissances que vous aurez acquises. Don't spend most time chatting. Ne passez pas trop de temps à chatter. Posting pictures. À envoyer des images. J'ai envie de manger des glaces. And then you put it on Facebook. Je suis dans le nouveau bois de nuit. You put it on Facebook. That's all that you know how to do. C'est tout ce que vous savez faire. When that day passes, mais quand ces jours-là passeront, you will not have it again. Vous ne les aurez plus encore. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Are you happy about the message? Êtes-vous content du message? If you know why Jesus, si vous savez pourquoi Jésus sent you into the world, vous envoyez dans le monde, you'll be a success. Vous serez un succès. You'll be a success. Vous serez un succès. As you take care of the business of your father, comme vous vous occupez des affaires de votre père, you'll take care of your business. Le père s'occupera de vos affaires. You won't struggle. Vous ne lutterez pas. You see, one of the rewards, voyez-vous, l'une des récompenses is in second Corinthians 9. Se trouve dans 2 Corinthiens 9. He gives you more grace. Il vous donne plus de grâce. He gives you more grace. Il vous donne plus de grâce. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, those who receive abundance of grace. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 17, ceux qui reçoivent une abondance de grâce and the gift of righteousness et le don de justice shall reign. Régneront. Romans 5:17. Romans 5:17. Romans. Romains 5. 17. Those who receive abundance of grace. Il dit ceux qui reçoivent l'abondance de grâce and the gift of righteousness et du don de la justice. They reign in this world. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Praise the Lord. Gloire à Dieu. They reign in everything. Vous régnerez dans toutes les anything choses. Do, tout ce que vous ferez sera une réussite. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40
89 32 04 42 15 55. 3xw.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.